Salut à tous, ici Morgan James, Kalski bah, directement de ma chaîne YouTube, ou bien tout simplement, bah, Joey Jackson 911, directement en PlayStation Network. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je fais ma présentation PlayStation Network, car je ne suis pas sûr ma PS3 ou ma PS Vita. Ça commence déjà bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Vidéo unboxing. Donc, franchement, je vais me taper la honte, mais franchement, je suis obligé de la faire. Donc, c'est une figurine qu'on m'a offert. Donc, je remercie Antoine de m'avoir acheté cette figurine. Putain, je peux pas la faire, c'est pas possible. Ça, je crois que j'ai le coupé au montage, je sais pas. Donc, bah, on va faire la vidéo. Je vais pas couper au montage de la merde. Donc, putain, c'est pas possible. Je vais faire une vidéo unboxing sur une figurine Austin Power. Putain, la honte. La honte que je vais m'afficher, mais bon, putain, je m'en tape. On m'a dit de faire une vidéo dessus, donc je vais faire une vidéo. Donc, c'est une vidéo sur la figurine. Gras double. Putain. Je suis en train de péter une barre tout seul. De Austin Power. Donc vous voyez. Putain, vous voyez sa tête. Putain, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir faire la vidéo comme ça. Putain. Donc. Reprenons. Donc c'est une figurine Austin Power, le personnage, c'est un personnage du film qui s'appelle Gras Double. Et donc je ne l'ai pas encore ouverte, donc j'ai découvert ceci en même temps que vous. Donc on va faire cette figurine là. Et voilà, donc c'est une figurine du film Austin Power. Donc si vous avez vu ma vidéo CNPN de Cortex que j'avais fait, il y avait un homme assez obèse, hein, qui portait dans ses mains, bah, ses gros pecs. Donc bah, en fait c'est lui. Et donc voilà, donc on va faire un petit tour de la boîte. Putain, ce personnage là il est horrible, je ne sais même pas pourquoi on me l'a acheté, parce que putain il est vraiment horrible ce personnage. Déjà dans le film il est horrible, mais là en figurine il est encore plus que horrible. Donc, Austin Power, collect all the groovy Austin Powers Wacky Wobble from Funko. Donc en fait, ça veut dire collecter toutes les figurines groovy bah, du film Austin Power. Wacky Wobble, donc en fait, bah, c'est double gras. Et donc en fait, il y a plusieurs personnages apparemment. Il y aurait Austin Power, il y aurait Docteur d'Enfer. Il y aurait également le mini-moi également et d'autres personnages. Personnage, franchement il est horrible, je sais même pas pourquoi on m'a offert cette figurine là quoi, parce que putain c'est vraiment vraiment déjà j'ai déjà honte de faire une vidéo dessus, mais je vais avoir encore plus la honte de l'installer dans ma chambre cette figurine. Donc j'ai quand même l'installer dans ma chambre hein, pour faire plaisir hein. Donc bien sûr j'arrive pas à enlever le carton. Putain, il est horrible. Il est horrible ce personnage, putain. J'arrive pas à mettre sa boîte. Hop, voilà. Oh putain. Oh putain. C'est pas possible, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc c'est... c'est une figurine qui bouge en fait comme ceci hein. Donc vous voyez les figurines comme ceci là, avec la tête qui bouge, mais en fait là c'est pareil sauf que là c'est carrément tout le corps qui bouge. Oh putain, putain il est horrible quand je fais ceci, regardez. Oh putain, putain il est horrible avec un beau message I'm dead sexy. Oh, putain, franchement il est vraiment horrible. Regardez
Sur la figurine, ils ont même fait les poils sur le personnage. Putain, il est horrible comme personnage. Ils ont... Putain. Il est vraiment horrible. Même sur les jambes et tout, putain. Putain, on dirait de la merde, en fait, entre ces jambes, non? On dirait... On dirait de la merde. Oh, putain. Mais c'est quoi ce bordel, putain? On dirait de la merde, hein. Non? On dirait qu'il s'est chié dessus. Bon. Putain, et le personnage, regardez-moi sa tête. Oh putain. C'est pas possible de faire une vidéo dessus. Je crois que j'ai même pas la publier, je pense. Parce que je vais me taper la honte. Donc, je vous préviens, c'est une personne, un ami à moi, qui m'a offert ce. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est un ami à moi qui m'a offert une figurine comme ceci, parce qu'il a été dans un magasin. Enfin, c'est un peu le bazar dans le magasin. Donc, en fait, c'est un grand bazar, hein, où ça vend des trucs vraiment bien déstockés. Donc, il y a des figurines pas chères, des VHS, des DVD, CD audio, etc. Il est tombé sur une figurine, Austin Powers. Donc, déjà, je ne sais même pas quel est le rapport entre moi et Austin Powers, déjà. Mais bon, c'est pas grave, parce que déjà, le film Austin Powers, c'est déjà un film, mais franchement, c'est un film pour les pervers, franchement, c'est... Je préfère pas vous expliquer, télécharger le film, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est pervers. Et surtout, ce personnage-là, Gradouble... Oh, putain. Donc voilà, c'était une petite vidéo unboxing d'une figurine Austin Powers, et nous, on va se retrouver très très bientôt pour des nouvelles vidéos. À très très bientôt, salut!